Mes amis, le psaume 139, verset 2, un psaume de David, déclare ceci. « Toi, tu sais, quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. Dieu sait tout à votre sujet. » Voyez, même en vous asseyant, quand vous dites simplement ceci, « Je vais me reposer, je ne vais rien faire de plus », Dieu connaît le motif. Et quand vous dites « Je vais me lever, je vais être une bénédiction », Dieu connaît le motif. C'est Dieu qui fait que nous sentions que nous avons besoin d'un repos et sentions que nous devons nous lever. Je vous parle des serviteurs de Dieu et ceux qui servent la parole. Ceux qui ne le servent pas, l'ennemi tente d'occuper la position de Dieu et fait d'eux des paresseux ou alors des insensés qui veulent juste faire de tout pour prospérer et ils ne prospèrent pas. Voyez de loin, le Seigneur Dieu comprend votre pensée. Pas même parvenu ici, il sait déjà ce qui vient de là. Et donc la meilleure chose à faire, c'est que vous viviez avec Dieu, parlez avec lui et cherchez sa direction. Alors vous allez avoir du succès. Voyez cette personne bénie. C'était un problème au pied. Je pense que... Le docteur vous a dit quoi? Je ne marcherai plus. Vous ne pourriez plus marcher? Non, car il était comme ça. Les orteils étaient alors tous déformés. L'usure de la colonne. Comment est-ce que vous marchez avec ce pied? C'était un... Je marchais en boitant. En boitant? Vous pouvez ôter votre chaussure pour que l'on voit comment c'était. Voyez quel cas sérieux. Les orteils se joignaient comme cela. Vous souffriez, mais maintenant non, c'est fini. Jésus, merci beaucoup. Ah, quelle bonne chose. Vous pouvez mettre votre chaussure. Ce Dieu est très bon. Allez, fille de Dieu, allez vivre la vie que Dieu vous a donnée. Et qui marche avec lui profite d'abondance et de joie. Je reviens pour vous bénir. Père, je bénis toutes ces personnes qui prient. Où qu'elles soient, où qu'elles se trouvent maintenant, elles sont alors toutes bénies au nom du Seigneur Jésus. Et je dis, mal, sors de cette vie au nom de Jésus. Et vous dites... Grâce à Dieu. Voyez, vous pouvez avoir la certitude que Dieu va faire de vous une bénédiction. Amen.